tous, c'est PoetiSeb et bienvenue pour une vidéo ouverture de display. Donc cette fois-ci c'est le display de les Dragons de Légende numéro 2, la suite des Dragons de Légende qui était sortie l'année dernière. Donc on peut apercevoir sur la tête le Seigneur Rouge, c'est bien ça, c'est le nom qu'ils ont donné, Mimikat, et une des fusions de Critias. Donc après il n'y a rien de spécial là en plus. Il y a juste marqué les Dragons de Légende 2 partout. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture. Donc un petit couteau. Une jolie boîte en tous les cas. Ça c'est pour être souligné. On a ce magnifique tapis de jeu. Qui est sorti quelques jours avant l'édition Les Dragons de Légende 2. On ouvre proprement. Tac. Ça, j'adore faire ça. Hop. Super. Donc 24 boosters. Avec 5 cartes par booster. Il y a 26 cartes super rares. Et 19 secrètes rares. Comme c'est marqué au dos. Voilà. Donc on va faire comme ça, comme ça. Donc c'est parti pour le premier. Le premier booster. Donc la secrète rare est devant, on va la coller derrière. Alors. On va commencer par scène d'aquarium. Rituel de la prédiction. Alors, nouvelle carte de l'arc V. Donc, Piekorma, princesse de la prédiction. Petaelf, princesse de la prédiction. Ça, normalement, c'est beaucoup de cartes pour jouer avec des rituels. Ah, Seigneur Rouge, ah, ça c'est super. Une des cartes qu'utilise Joey Wheeler dans la série. Donc, super. Ça, c'est une carte qui va finir là-dedans, parce qu'elle va finir dans mon jeu. On retrouve beaucoup de cartes rituelles. C'est vrai depuis le jeu Nécrose. Un deuxième booster. Le premier booster, pas mal du tout. La secrète rare derrière. Ah bah voilà, la carte qui... Ah non, ça c'est pas la carte pour le Seigneur Rouge. Le rituel du dragon noir. L'aquatrice... Arowana, l'aquatrice Tetra, Piekorma la princesse de la prédiction. Ah oh, super, le canon à roquette Hermocrate. Donc super. Donc c'est utilisé avec la griffe d'Hermocrate et un monstre de type guerrier. Donc 1500-1300. Et c'est son effet, c'est cibler un autre monstre face Reto sur le terrain, équiper lui cette carte. Il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase, et aussi s'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Donc très très bonne carte. Ça commence plutôt bien. Dans les secrets rares, on n'a pas eu... Bon, ça va, on en a que deux pour l'instant. Mais bon, on aurait déjà pu avoir un double. Donc, on va mettre la secrète rare derrière. Et on commence par araignée à roulette. Réutilisation de retournement. Voilà. Petaelf, princesse de la prédiction. Aquatrice Arowana. Et main comique. Main comique, ça c'est pour le Dead Toon, ça. Voilà. Bah, tout tombe là. Tout fout le camp. Alors on enchaîne avec un rituel du dragon noir. Histoire Aqua Urashima. Aquatrice Dupi. Ah, Golem Rouage Ancien Toon. Ça c'est cool ça. Je vais peut-être me refaire à un Dead Toon. J'avais quelques cartes, mais je pense que là. Et la déesse archère Artemis. Donc
une carte fusion avec la griffe d'un Locrate et un monstre de type guerrier aussi. Donc une 1500-1600, une 4 étoiles. Cibler un monstre face recto sur le terrain, équiper lui cette carte. Tant que cette carte est équipée à un monstre par cet effet, annulez le premier effet activé par votre adversaire durant chaque battle phase. Et aussi après ça, le monstre équipé peut faire une seconde attaque durant cette battle phase. Donc très intéressante. Là, pour l'instant, au niveau des secrets rares, on n'a pas un double. C'est plutôt pas mal. Donc là, on est au cinquième booster. On commence par Fléchif, la princesse de la prédiction, Rituel de la prédiction, Cristaldine, princesse de la prédiction, Scène d'aquarium et oh le paladin du dragon noir. Donc, paladin du dragon noir qui marche avec le rituel du dragon noir. Donc, grosso modo, ça c'est une 4 étoiles 1900-1200. Et en fait, ça a les mêmes effets que le paladin du dragon blanc. Pour invoquer le dragon blanc aux yeux rouges, sauf que là c'est plus pour invoquer un monstre aux yeux rouges, style dragon noir aux yeux rouges. Donc ça c'est super. Ça fait des années que je l'attendais cette carte, je la trouvais super. Mais j'avais jamais la chance d'avoir, comme elle n'était jamais sortie. Donc on enchaîne. Pour l'instant, rappelons, pas une double au niveau des secrets rares. Donc on commence par Catastrophe du chat noir, Scène d'aquarium, Rituel du dragon noir encore une fois, Lumière d'aquarium et oh là, Tarot Trayon, Princesse de la prédiction. Superbe. Ensuite, théoriquement il y a 19 secrets de rares, j'ai un display de 24, donc avec un peu de chance, je peux avoir tous les secrets de rares du display. Mais bon, ça j'ai des doutes. Histoire à quoi? Urashima. Cristaldine, princesse de la prédiction. Aquatrice Tetra. Fléchif, princesse de la prédiction. Ah, et Canon Roquette Hermocrate. Première double de secrète. On enchaîne. Oh! Personne l'a vu. J'ai oublié. Personne l'a vu. Pierre Corma, princesse de la prédiction. Ah, vos doubles bras magiques, ça c'est cool ça. C'est sacrifier deux monstres, puis cibler deux monstres face recto contrôlés par votre adversaire jusqu'à la end phase. Prenez le contrôle des deux cibles. Ça c'est pas mal. Rituel de la prédiction. Ah, la mallette Toon. Et enfin, le chevalier légendaire Critias. Donc, il l'invoqua plus grâce à la carte Légende du Cœur, qui était disponible dans le premier display de Dragon de Légende. Et non invocable autrement, lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte magie pièce face recto sur le terrain. Bannissez la cible. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez cibler une carte piège dans votre cimetière. Posez la cible. La carte posée peut être activée durant ce tour. Donc c'est très très bien ça. Une des fameuses cartes du jeu de Kaiba. Donc, Petaelf, princesse de la prédiction, Brûlure aux yeux rouges, qui est une carte très intéressante. Ça, c'était utilisé du temps de la série GX. Histoire à quoi? Urashima, Rembobinage Toon, et attention, c'est Masque Toon. Donc, Masque Toon, c'est si vous contrôlez Monde des Toons, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, invoquez spécialement un monstre Toon depuis votre main ou deck dont le niveau est inférieur ou égal au niveau du rang du monstre en ignorant ses conditions d'invocation. Ça peut être très intéressant. Donc, on recommence avec Astro Morrigan, princesse de la prédiction, Scène d'aquarium, Lumière d'aquarium,
Rituel de la prédiction, le Royaume Toon. Ah bah, Royaume Toon en secret rare. Donc c'est lorsque cette carte est activée, bannissez face recto 3 cartes du dessus de votre deck. Le nom de cette carte devient Monde des Toons tant qu'elle est dans la zone T1. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre Toon que vous contrôlez avec l'effet de cette carte. Si un ou plusieurs monstres Toon que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir face verso une carte du dessus de votre deck pour chacun des monstres à la place. Très très bien. Bon, j'ai toujours pas eu la carte que je souhaite, mais je pense que ça va pas tarder. Enfin, les cartes que je souhaite. Donc, on recommence avec Aquatrice Tetra. Réutilisation de retournement. Entrave du double bras magique. Aquatrice Arowana. Ah, et l'épée du dragon noir aux yeux rouges. Donc, c'est pareil, c'est une fusion entre la griffe d'Hermocrate et un monstre de type dragon. On n'a pas besoin d'utiliser polarisation. Si cette carte est invoquée spécialement, ciblez un autre monstre face recto sur le terrain. Équipez-lui cette carte. Il gagne 1000 points d'attaque et 500. Et 500 d'attaque de défense pour chaque monstre de type dragon sur le terrain et dans les cimetières. Oh, ça c'est super. Contre un deck de type dragon, ça fait très mal ça. Donc il nous reste combien de boosters? Je pense qu'on doit être à peu près la moitié. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh ben, on arrive à la moitié. Plus joli. Donc lumière d'aquarium, Astro Morrigan, princesse de la prédiction, Piekorma, princesse de la prédiction, El Tyran, ça c'est très bien, et enfin Tarot Tréion, princesse de la prédiction. C'est le deuxième double qu'on a en secret rare. Ça va sur 13 boosters, ça reste correct. Voilà, là il s'est mal ouvert celui-là. Bon signe. Petaelf. Alors, Petaelf, princesse de la prédiction. Le rituel de la prédiction. Lumière d'aquarium. Plateau d'aquarium. Ah, et la griffe d'Hermocrate. Ça, c'est une que j'attendais être impatience. Cette carte est toujours aussi traitée comme dragon légendaire Hermocrate. Alors, envoyez un monstre depuis votre main ou votre terrain au cimetière qui est de type listé sur un monstre fusion qui peut être invoqué spécialement qu'avec griffe d'Hermocrate, puis invoquer spécialement le monstre de fusion depuis votre extra deck. Vous pouvez activer qu'un seul griffe d'Hermocrate par tour. Ah, ça c'est cool, ça c'est une que j'attendais. Donc, on recommence avec un nouveau booster avec Esprit aux yeux rouges, Astro Morrigan, princesse de la prédiction, Petaelf, princesse de la prédiction, le plateau aquarium et chevalier légendaire de Critias. Celui-là, on l'a déjà, donc on passe. Donc. Ah, on commence avec l'ombre Toon. Fléchifle, princesse de la prédiction, Aquatrice Tetra, réutilisation de retournement et la déesse archère Artemis. Ah, on commence à tomber sur des doubles. En secret rare. Alors, Esprit aux yeux rouges, plateau d'aquarium. La mallette Toon, Aquatrice Arowana et Tarot Tréion, princesse de la prédiction. Elles sont moins bons ces boosters là. Alors, on commence avec Catastrophe du chat noir, Astro Morrigan, princesse de la prédiction, Rituel du dragon noir, mallette Toon. Et ah si, dragon explosion du tyran. Donc, inement invocable grâce à Crow de Critias.
en utilisant El Tyran et non un gap spécialement. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équiper ce monstre à la cible. Il gagne 400 d'attaque défense et aussi il peut faire 3 attaques durant chaque battle phase. Ça c'est très très bien. Il nous reste combien de boosters? Il nous reste 7 boosters. Espérons que je tombe sur les dernières cartes qui me manquent. Ça serait vraiment pas mal. Alors, araignée à roulette. Brûlure aux yeux rouges. Ah voilà, transmigration des yeux rouges. Ça c'est pour le monstre seigneur du rouge. Donc ça c'est une carte que j'attendais aussi. Aquatrice Tétra. Et marteau magique temporel. Alors ça c'est super cette carte. Donc c'est en utilisant la griffe d'Hermocrate et un monstre de type magicien. Si cette carte est invoquée spécialement, ciblez un autre monstre face recto sur le terrain. Équipez-lui cette carte. Au début de la dommage step, s'il combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez lancer un dé à 6 phases et bannissez le monstre de votre adversaire jusqu'à la standby phase du nombre de tours après l'activation de cette carte. N égale le résultat. Et bien finalement c'est pas mal ce booster là. Deux cartes que j'attendais. Donc on recommence ce booster avec l'ombre Toon, Golem Rouage Ancien Toon, Cristaldine Princesse de la Prédiction, Rembobinage Toon et... Ah, le Paladin de Rayon Noir. Voilà, pas mal. Mais je crois... Ouais, si on l'a déjà, on l'a déjà eu. Je m'enflamme un peu. Alors tous les doublons seront mis en vente sur mon eBay. Voir, vous pouvez me proposer des échanges. Alors, on recommence avec Catastrophe du Chat Noir. Réutilisation du retournement. Lumière d'aquarium. Rembobinage Toon. Ah, super, le croc de Critias. Et ben voilà. J'ai deux dragons légendaires. Il me manque le chevalier légendaire Hermocrate encore. J'espère l'avoir. Alors c'est marqué, envoyez une carte piège depuis votre main ou votre terrain au cimetière qui est listée sur un monstre de fusion qui ne peut être invoqué spécialement qu'avec le croc de Critias. Puis invoquez spécialement le monstre de fusion depuis votre extra deck. Vous ne pouvez activer qu'un le croc de Critias par tour. Et ben ça c'est bien compris. Donc il me reste 4 boosters. Oh non, plus j'ai vu. Donc, Ombre Toon, Bois de Golem, Esprit aux yeux rouges, Plateau d'Aquarium et Marteau Magique Temporel. Alors, je sais pas ce qu'il me manque là. Ah, si, il manque un chevalier légendaire, ça c'est sûr. Mais je sais pas le reste. Donc, Catastrophe du Chat Noir, Astromory Blanc, Princesse de la Prédiction, Fléchifle, Princesse de la Prédiction, Aquatrice Dupi et. Le Master Toon. Oh, personne n'a vu. Transmigration aux yeux rouges. Catastrophe du Chat Noir. Cristaldine Princesse de la Prédiction. Aquatrice Dupi. Et Épée du Dragon Noir aux yeux rouges. Donc, dernier booster. En espérant que ça soit la carte qui me manque. Bon, ça on va le savoir très vite. Oh! Le peu que j'ai vu, je pense pas que ce soit ça. Donc, brûlure aux yeux rouges, scène d'aquarium, transmigration des yeux rouges, El Tyran et. Ah si, dragon du virus maudit! Ah, celui-là on l'avait pas non plus. Ça c'est cool. Donc, c'est. Il faut bien sûr utiliser Critias et le virus broyeur de cartes. Et non invocable spécialement autrement. Si cette carte est invoquée spécialement, regardez la main de votre adversaire, tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son troisième tour après l'activation de cet effet et détruisez tous les monstres avec un minimum de 1500 points d'attaque. Et ben voilà. Voilà. Donc, bah, très très bonne carte. Il manque, je pense qu'en secret rare, il ne doit pas m'en manquer beaucoup.
doit vraiment pas m'en manquer beaucoup. Donc voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!